OK, nous sommes environ 36 familles. Nous, on n'a pas d'électricité. Nous sommes très mal logés. On n'a pas de boulot. On n'a pas de sécurité surtout. Sécurité, on n'a pas d'eau potable. Les enfants meurent de faim. Meurent de soif et meurent de faim aussi. Okay. Les femmes enceintes n'ont rien pris, n'ont rien à manger, n'ont rien à consommer. Nos handicapés se trouvent là-bas. Il faut les voir. Il faut les voir. Nos handicapés, nous en avons deux. Ouais, pendant le séjour du 12 janvier, elle a perdu ses pieds-là. Vous voyez? Alors, cette famille-là, depuis ce matin, ils ont préparé un petit café pour les enfants selon leurs possibilités, mais après quoi, ils n'ont rien fait. Pas pour moi. Après quoi, ils n'ont rien fait. Alors, ils n'ont pas de commerce. Nous en avons besoin de l'argent. Si on ne peut pas trouver un boulot, mais au moins de l'argent pour afin de brasser la vie. Quoi. Comprenez? Comprends. Côté l'autre bon monde, petit bon monde. Avant qu'on est là. Ok, ici, il y a un vieillard. Quand tu as choupette là? Revisiter une maison? Oui. Un vieillard. Un vieillard, un handicapé. Et voilà, une jeune fille dont le papa a laissé l'enfant entre ses mains. Elle ne travaille pas. Sa maman a tant d'autres enfants à occuper. Un vieillard, et regardez par ici. Un vieillard. Elle ne voit pas, elle ne voit rien, elle ne peut pas marcher. Ouais. Comment faire pour aider? Je ne sais pas. La mère a environ 12 personnes sur sa... 9 personnes, je crois? 9 personnes sur sa responsabilité. Il a 9 enfants et sa mère. Hors de maison. Vous en avez besoin? Ok, côté Ok, la famille sort. La famille montagne. Nous avons deux autres familles. Les plus vulnérables. Voici le chef de la famille. Il ne travaille pas. Il a environ 7 enfants. Voilà, 7 enfants. 7 enfants. Il ne travaille pas. Voici les enfants. Voici les enfants. Les enfants. Ce sont les enfants. Viens ici, venez. Les enfants de la famille Nestor. Il y a d'autres qui sont éparpillés. Tu peux visiter la maison? Oui, tu peux. 7 enfants? Oui, 7 enfants. Alors, environ, il y a 9 personnes dans la maison. À quel numéro les gens peuvent appeler? Et 37 75 79 09 Bouigny Marie-Carmel. Encore une fois. 7 75 37 75 79 09 Bouigny Marie-Carmel. Où êtes-vous situé géographiquement? Bloc 5. Bloc 5, secteur C, C40. Dans le village, département, ville? Port-au-Prince, Corail-Cesles. Merci beaucoup. D'accord. Merci également.